Alors, est-ce qu'on est bon? C'est quoi ce bruit que j'entends là? Ok, c'est le micro qui déconne. Allez, on est parti pour 4 quests. C'est juste ça. Nouvelle partie. Go, go, go. Seras-tu toujours là pour moi? Je ne sais pas. Toujours. Là, il sera toujours là, alors. Sœur! Scénario basique, du héros qui va sauver sa sœur, du méchant dont on ne connaît pas les motivations. Et ça, c'est Navi l'a fait. Non, c'est ça ? Fellingar. Pardon. Juste, je vais mettre ça ici. Et ça là. Voilà. Non, pas tout à fait. Voilà, on est bon. Oh Dieu merci, tu es vivant. Je suis Spirit, ton esprit gardien. Écoute, les dragons sont revenus. Nous devons détaler vers une ville. Vite. Gardons nos questions pour plus tard. Qu'est-ce que tu coches pour courir? Miaouville. Patte en avant, un monstre arrive. Appuyez sur Y pour attaquer. Ah ok, d'accord. Un cercle rouge indique la portée des attaques d'un ennemi. Appuyez sur B pour faire une roulade. Je pige le truc. Ah, chaventurier, saviez-vous? Salut Jess, comment vas-tu? Qu'il vaut parfois mieux attendre qu'un ennemi attaque avant d'attaquer. Oui, c'est fort possible. Merci pour le conseil. Tu peux faire une sieste dans les villes pour te soigner, vas-y essaye. Partie sauvegardée, ça sauvegarde aussi en même temps. Ça va. Je crève de chaud. Entre les deux ordi, la télé, l'écran de l'ordinateur, c'est une fournaise chez moi. Tu ne parles pas beaucoup, hein? Du genre fort et silencieux. Mais ne t'inquiète pas, je suis ici pour t'aider à retrouver ta sœur. Tout d'abord, nous devons apprendre ce que cette marque sur ta tête veut dire. Viens, allons chercher un mage. Il y a des monstres partout maintenant. Miaou! La fin des temps arrive, j'en suis sûr. Et toi, tu parles pas? Non, lui, il parle pas.
pas de quête. Fais attention aux forêts, tu ne peux pas voir ce qui se cache à l'intérieur. La chapitale. Kiku Maiku, salut Mag. Ouais, vivement jeudi. Je sais pas pour toi, chez moi ils annoncent de la pluie pour jeudi. Après d'ici là, il va peut-être rien tomber. Hein. Mais ouais. Jeudi, pluie, baisse des températures. Je croise les doigts. Le mage remarque la marque sur ta tête. C'est la marque du Dracosang. Voulait dire les légendaires chasseurs de dragons, mais ils ont disparu depuis plusieurs années. Pareil du côté de Reims, d'accord, c'est peut-être sur toute la France alors. Tant mieux. Mais cette marque signifie que vous pouvez tous apprendre la magie. Venez par ici. Ceci est un temple arcane. Je vais t'apprendre un sort, alors écoute bien. Tu as appris le ronron flamme. Je vais baisser un peu le son, c'est un peu trop fort. Elle brûle les ennemis et affaiblit leur défense. D'accord, appuie sur L pour envoyer des sorts. Ah oui! L'or rend tout puissant. Renforcer Ronron Flamme pour 100 or. Mais je n'ai pas d'or. Voilà. Et ça, ça doit être tous les sorts qu'on peut apprendre. Allez, viens. Testons ta magie sur ce monstre là-bas. On va prendre un nouveau sort à d'autres temples, d'accord? D'accord! Salut Muriel, comment va? Hein? Qu'est-ce que c'est? Ben je sais pas. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh! Un cercle rituel! Oh! Un dragon! Regarde, tous les chats de la ville sont pétrifiés de peur. Nous devons les aider. La magie coûte du mana, c'est la barre violette. J'avais remarqué. Attaquer des ennemis régénère le mana. D'accord. Aouh! Que ça? Bah écoute, ouais, ça va bien. Un dimanche tranquille, à suffoquer. Est-ce que tu viens juste de terrasser un dragon? Oui! Tu es vraiment un dragosang? Non, je suis un fils de dragon. C'est quoi le cri du dragon? C'est Furoda? Je sais plus. Je suis très inquiet de partir encore en guerre contre l'Empire Lupus, miaou. Ces chiens préparent quelque chose, j'en mettrai ma patte à couper. Ouf. Et est-ce que ce chaton vient juste d'étriper un dragon? Fusroda. Ah, j'étais pas loin. Cette marque ne serait pas la marque du Dracosang? Nous sommes sauvés! Les Dracosangs sont revenus! Par mes moustaches, c'est le roi Leonardo! Le plus attentionné et vaillant des rois! Retournez chez vous, vous tous! Miaou! Ah, moi aussi? Hein? Qu'est-ce qui lui arrive au roi?
Enfin, tu avais un travail chatignal sur ce dragon. Ah, génial, ok. Monsieur Dracosan. Alors ce chat blanc kidnappe ta sœur et nous découvrons que tu es un Dracosan. Aucune chance que ce soit une coïncidence. Aucune patin de chance. J'essaie de prendre le dessus, mais je suis forte. Mais oui, tout ira bien, t'en fais pas. Qu'est-ce que tu dirais de bondir sur le panneau de quête de la chape nitale? Les dragons sont arrivés, reste loin de la cave Grotou Miaou. Dragon, je parie que ce chat blanc y est pour quelque chose. Allons explorer cette grave grotto. N'oublie pas de faire une sieste de temps en temps, ça crée un point de sauvegarde aussi. D'accord. Pas de quête. Vous avez vu qu'il y a un code sur Pokémon Épée Bouclier pour récupérer un Pokémon? Pensez à le faire, hein. Ceux qui ont le jeu. Le roi souffre d'une malédiction. Rejoignez la mission de secours au temple Arcane aujourd'hui. On devrait faire ça. Le roi a besoin de notre aide. Il est où ce temple Arcane? C'est ça? Caverne Grotto. Ah, ben, faut suivre la flèche. Nous sommes ici pour sauver le roi. Enfin, un chat est venu nous aider. Tout d'abord, nous devons trouver le chef mage. Ouais, j'ai fait un screen, je le prendrai. Je sais pas si c'est limité dans le temps, je pense pas, mais on sait jamais. Faites-le le plus tôt possible. Il sait ce qui s'est passé, mais il a disparu. Comment pouvons-nous le trouver? Nous avons lancé un sort pour trouver l'énergie magique du chef mage. Mais l'endroit n'arrête pas de changer. Je les marquerai. Peut-être que vous pourrez enquêter. Ok. Ouh, ça a l'air méchant, ça. Je confonds les touches, je vais pas m'en sortir. Tu as ramassé une fiole de potion à moitié enterrée. Chouette. Il y a de l'énergie magique piégée dans la fiole. Allons vérifier les autres endroits. Un monument. Regarde, il y a des inscriptions dessus. Il y a très très longtemps, nous servions les vieux maîtres. Ils ont créé notre monde et étaient nos dieux. Je me demande s'il y a plus de monuments. Sans doute. La caverne des chauves-souris. Ça c'est quoi? Ah, des XP. Alors? Non? Tu as ramassé une autre fiole à moitié enterrée. Toujours pas de château magicien. Dernier endroit à vérifier. Elle est sympa la carte, j'aime bien. La caverne du butin. Tu es ce Dracosan. Est-ce que tu savais? Que la forêt profonde derrière moi est hors limite. Reste loin, oust du balai. Ok, on n'ira pas. Ah, je suis mort. Il y a un Cat Quest 2 aussi. Ouais, il y a un 2 aussi. On devrait faire ça. Ah, ok, super. Donc faut tout recommencer.
Il y a un 2, j'ai la démo, mais j'attendais de voir celui-là avant de l'acheter. Voir si je m'y faisais ou pas. Ok, donc le game over, ça pardonne pas. Pour l'instant, ça va pas mal. Tu les avais pas fait, Mag? Alors toi, tu achètes les jeux, mais tu les fais pas. Comment je fais pour récupérer de la vie par contre? Il y a un menu. C'est quoi? R. Ah, on peut zoomer, dézoomer, c'est chouette. Oh, elle est grande la carte, hein. T'as vu ça? T'as vu tout ce qu'il y a à faire? Ok. Ah, et on peut équiper jusqu'à 4 sorts, c'est pas mal. Non, je l'ai pas acheté pour le coup, c'est pour ça que je l'ai suggéré celui-ci. Ah, ok, d'accord. Toujours pas de chaton, magicien. Dernier endroit à vérifier. Bah, je crois que c'est Alex qui jouait aux deux il y a pas longtemps. Il me semble que c'est elle qui a partagé des screens, non? Après, ouais, je savais pas à quoi m'attendre. Donc déjà, c'est une action RPG. Hop là. Tu le gardes pour le prochain confinement? Ouais, ça devrait être dans pas longtemps normalement, hein, pour la rentrée, je pense. Tu as ramassé une autre fiole de potion à moitié enterrée. Mais toujours pas de chef mage. Rentrons pour l'instant. Salut! Ah, j'ai des pièces! Touche ton personnage avec la patte guérissante et tes blessures disparaissent comme par magie. Ouais, ça va être bien. Garde plutôt des pattes sous blister, mort de rire. Moi j'ai fait comme tout le monde, vu que tout le monde voulait piquer des pattes, c'était tellement dur d'en trouver que dès que je voyais un paquet, ben, je le prenais forcément. Et j'ai pas acheté des pattes depuis mars, je crois. Salut toi! Tu es Dracosan? Est-ce que tu savais? Ah oui, mais tu me l'as dit tout à l'heure déjà, avant le game over. On va sauvegarder, hein. J'adore comment il tombe. Oui, les paquets de papier toilette, ouais.
C'est l'énergie magique du chef mage. Mais pourquoi est-ce qu'elle est dans les fioles? Nous ne sommes pas des experts de la magie. Nous avons besoin de temps pour enquêter et réparer ça. Voilà un petit quelque chose pour vous. Vérifiez le panneau plus tard. Ouais! Chapeau de mage! Ça fait quoi? Ça augmente la magie? Haha! Choisir l'emplacement ici, voilà. Ah, c'est chouette, il a le chapeau. Si nous trouvons des monstres à l'intérieur, nous devons tous les égratigner, d'accord? Certains ennemis attaquent plus vite. Essayez d'utiliser plutôt de la magie à longue distance pour les frapper. D'accord. Après, moi, je m'en fiche, hein. Je travaille dans l'alimentaire, donc le confinement, ça ne me concerne pas. Même si je fais pas des trucs forcément primordiaux à la survie, mais bon. Aucun signe de ce chablan ou de ta sœur. Allez, partons d'ici. Bah non, on n'a pas fini d'explorer. L'épée de chevalier. Bah si, un peu, car si le pays fait faillite, tous les secteurs seront touchés. C'est sûr. Ah ok, ça a été rapide le donjon. Pas possible, c'est ce chablan. Vite, attrapez-le. Hé, hey, toi là. Alors, comment une boule de poils comme toi a pu battre mon dragon? Ça m'importe peu, je vais juste t'anéantir tout de suite. Non, je veux pas. Je suis plus fort que toi. Ne sois pas trop fier, c'était juste un clone créé avec un fragment de ma puissance. Aucun doute, ta puissance vient de remarquer la marque que tu possèdes. Remarquable! Qui es-tu et pourquoi as-tu kidnappé la sœur de mon ami? Les simples mortels comme vous peuvent m'appeler Dracote. Mouahaha! Si tu veux revoir ta sœur, suis-moi. Ces paysans ne peuvent pas me voir, ils ne le méritent pas. Mouahaha. Tu vois le grand roi des chats qui se cache dans son palais? Réduit à une boule de poils tremblante à cause de ma puissance? Et toutes ces quêtes incessantes de chats de la ville? Ils ne savent même pas que c'est mon pouvoir qui était à l'origine de leur détresse. Es-tu comme toutes ces personnes sans intérêt qui rampent dans ces villes, qui supplient des héros de leur venir en aide sur leurs panneaux de quête?
Non, je pense que tu es différent. Et à cause de ça, je vais jouer à un petit jeu tout simple avec toi. Obtiens plus de puissance. Prouve-moi que votre espèce peut se hisser au-dessus de vos pathétiques carcasses. Bats les dragons que j'ai invoqués et je libérerai ta sœur. Franchement, Dracote, tu es le méchant le plus générique du monde. Ne sont-ils pas plus faciles à haïr? Comment est-ce que ta sœur s'est retrouvée dans ce pétrin? Bon, je suppose que tout ce qu'on aura à faire, c'est battre Draco à son petit jeu. Et puis... Mais avant de partir, assurons-nous d'être bien équipés. T'es qui, toi? Maître Kit Kat. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Spiri, je te l'ai déjà dit, appelle-moi juste Kit. Vous cherchez des armes et des armures? Entrez, entrez. D'accord, donc ça c'est un vendeur d'armes. Interagissez avec mon coffre pour obtenir de nouveaux équipements. D'accord. Il est cher celui-là. Yunkel qui joue à Fortnite? Quelle honte! Miam, Kit Kat. Souvenez-vous de lâcher cet équipement, vous tous. Non, j'ai pas de sous. Je reviendrai, hein. Allons trouver une tour de garde, histoire où sont les dragons. Niveau de la quête, 5. Assistant forgeron. On va la faire. Pas possible. Kit Kat cherche un assistant. Même les chiens de l'Empire Lupus lui commissionnent des armes. C'est peut-être une chance pour nous d'obtenir du bon équipement. Spiri, vous êtes ici pour le travail d'assistant? Dites oui, s'il vous plaît. Oui, Maître Kit. Comment pouvons-nous nous vous aider? Un bon Mars ou un sneaker glacé? Alors, le Mars glacé goût caramel beurre salé, c'est parfait. Je suis en train de créer une nouvelle armure révolutionnaire, vous voyez? Mais j'ai besoin d'un paquet qui est encore à Port-Est. Ah, Port-Est, oui. Port-Est. Pensez que vous pouvez m'aider, mes petites boules de poils? Absolument, madame. C'est comme si c'était fait. Ah, c'est une madame? J'aurais jamais deviné. J'ai pris le truc de pour récupérer la vie parce que franchement les ruines bêta niveau 15 c'est pas pour moi. Miaou, aidez-nous des monstres. Où ça? Ah oui, il y a du monde. Que la livraison arrivait pas. Sneaker glacé. Ah, bah vous êtes tous contre moi alors. Moi je préfère les Mars. Le paquet de kit, où est-il? J'ai de mauvaises nouvelles, Miaou. Nous avons envoyé un chariot avec le paquet, mais nous n'avons pas eu de nouvelles depuis. Que quoi? Regarde, il y a même des traces sur le sol que nous pouvons suivre. Sauvegarder, hein. J'ai vécu à Silençon, près de ses eaux, près des eaux, pour savoir qu'il ne faut pas faire confiance aux souris. Des pourritures de pirates, chacune d'entre elles. D'accord. Tonnerre. Grille les ennemis avec le pouvoir du tonnerre.
Allez. L'emporte comme la team pain au chocolat. Et Muriel, qu'est-ce qu'elle en dit, elle, de la team pain au chocolat? Les traces disparaissent au niveau des ruines. Que penses-tu d'aller les nettoyer et de chercher à l'intérieur? Les ennemis sont affaiblis soit par la magie, soit par les attaques physiques. Fais attention à la couleur des chiffres qui apparaissent. D'accord. Méchant. Donc là, c'est jaune. Là, ça n'a rien fait. Et oui, Muriel est du sud-ouest, donc forcément, hein. Oula, il y a trop de monde là. L'armure de Tang poilu. Ah oui, ça, ça craint la magie alors. Voilà. Je pense que le chariot a été mangé par ces monstres. Oh, pauvre chariot. J'ai goûté toute mon enfance avec du pain au chocolat. Je peux te dire que c'est pas une chocolatine. Et elle est où la clé alors? Par là, il y a un truc là? Non, il n'y a rien. Après, c'est vrai que le goût, il est différent selon les régions. Ah, je sais que quand je partais en vacances dans le centre... Enfin, dans le centre... En... au nord de la Lozère, au nord de l'Ardèche. Ben là-haut, les... en montagne, ça n'avait pas le même goût, les trucs. Hein. Alors, vous avez trouvé mon paquet? Non, il dort avec les poissons. Non! C'était la nouvelle saison du jeu de château que je l'attendais tellement. Jeu de château? C'est Game of Thrones, peut-être? maintenant, je ne saurais jamais si Myriam Lannister vient de gouverner Padville. Ouais, donc ça, c'est bien Game of Thrones. Nous sommes désolés d'avoir échoué, madame. Non, mais pain au chocolat, pour moi, c'est pain avec des morceaux de chocolat. Non, ça, c'est un sandwich au chocolat. Si vous voulez m'aider avec ma nouvelle armure, vous savez où me trouver. Tiens, en parlant d'armure, j'en ai une autre, une nouvelle, je crois. Ah, c'est pas ça.
Je vous laisse pour l'instant, je reviens après. Ah, j'ai vu, tu t'es barré sur YouTube. Traîtresse. Niveau de la quête 8. Moi, je suis quel niveau? C'est marqué quelque part? Je sais pas. J'ai pas l'impression. Ah, chat aventurier, comment puis-je vous aider? Oh là là, vous êtes tellement mignon! On n'est pas mignon! Bref, revenons à nos moutons. J'ai vu un dragon, messieurs. Permettez-moi de le marquer sur votre carte. Il est loin? Bon, là-bas, faut pas y aller, c'est ça? Pourquoi il a une tête de mort, lui? Je préfère m'en aller. Non, c'est juste laisser la Nintendo radio sur la TV pour pas laisser une image fixe. Ah, d'accord, ouais. Je comprends. Viande, viande, viande. Je commence à prendre le coup de main, ça y est. Le triangle des Bermioud. Ils sont régalés à faire les jeux de mots. Un monument, regarde, il y a des inscriptions dessus. Les vieux maîtres, nos dieux, nous ont donné le don de parler, mais nous aussi, nous avons appris leur façon de vivre. Je me demande s'il y a plus de monuments. C'est qui les vieux maîtres? D'accord, il est tout là-haut. Violent, lui. Savais-tu que le meilleur butin se trouve dans les donjons et les cavernes? Ben, comme dans tous les RPG, ouais. Attends, t'es sûr à propos de tout ça? Je sais que tu as déjà tué un dragon, mais celui-ci semble différent. Ouais, il a une grosse armée. Il a une grosse épée. J'ai commencé Dragon Quest 11. Ah ouais? Je croyais que t'es... Il me semblait que t'aimais pas ce genre de jeu. En tout cas, moi, j'ai adoré. Il est génial. Et il va te prendre beaucoup de temps. 90-100 heures facile. Nous devrions essayer de devenir plus fort d'abord. Beaucoup plus fort. Ah ouais? Comment je sais de quel niveau il est? Je peux plus m'échapper.
ça fait mal. Ah mais en plus, il récupère de la vie. Bon, bah il était trop fort. Alors c'était peut-être pas toi qui m'avais dit qui aimais pas les tours par tour. Je sais plus qui c'est qui m'a dit ça. Bon, faut que je fasse des quêtes alors. Faisons des quêtes. Tu ramasses un charme étrange sur le panneau. Paysan, qu'est-ce que c'est que ce charme étrange? Ils nous ignorent. Est-ce qu'ils sont sous l'effet d'un sort? Allô? Laisse-moi voir ce charme. Spiri vole autour du charme curieusement. Je peux voir une piste magique. Elle devrait nous mener vers celui qui a lancé le sort. Il y a une marque sur le sol, on dirait celle qu'il y a sur le charme. Une piste magique aboutit à cette marque. Dragon Quest, tu le fais sur Switch ou ailleurs? Attends une minute, Poilu, j'entends des monstres. Ouais, sur Switch. Parce qu'il y a la... Ce qui est sympa, c'est que tu peux le faire soit en 3D récente, soit en version à l'ancienne, en 8 bits. C'est sympa aussi. Montre-moi encore cette marque. Moi, je m'étais dit que j'allais le finir d'abord en 3D, et puis le refaire en 8 bits, mais ça m'a pris tellement de temps que finalement, je ne l'ai pas refait. Peut-être un jour, hein, je le referai, mais pas pour l'instant. Oh, Josha, d'où venez-vous? Charme! Je dois avoir le charme! Je veux le précieux! Elle est trop flippate! Fuis, patenaire! Un monument, regarde, il y a des inscriptions dessus. La paix que les vieux maîtres ont emmenée ne durera pas longtemps, car les dragons sont arrivés peu après. Donne-moi ça, charme! Donne-moi charme! Elle veut ce charme qu'on a pris dans la ville. Ne le laisse pas l'avoir, jette-le dans l'eau! Miaou! C'est quoi ce symbole bizarre que j'ai vu? Comment est-ce que vous êtes apparus ici, vous deux? Pourquoi est-ce que je ne me souviens de rien d'autre? Oh, Josha, j'ai besoin d'une pause! Je pense que n'importe qui voyant le symbole doit suivre le charme. Quelqu'un attire des chatons dans cette ville effrayante. Nous devons trouver qui a fait ça. Allons vérifier cette ville encore la prochaine fois. C'est pas... C'est moyen comme jeu quand même là. On verra ce que ça apporte de plus, mais ça a l'air quand même assez basique. Bon, après, au prix où je l'ai payé. Est-ce bizarre la ville soit complètement vide? Mais
mais qu'il reste quand même un panneau de quête. S'il vous plaît, ma sœur est tellement malade. Est-ce que quelqu'un va nous aider? Bon, venez alors. Allons voir ce dont les paysans ont besoin. Bon, on va se reposer, on va sauvegarder. Oh, aventurier, êtes-vous ici pour la quête? Il y a un jeu que j'aimerais bien, mais que je peux pas, c'est Grand, qui est sorti en Early Access sur Xbox ou PC. Ah, j'en ai entendu parler, mais je vois plus ce que c'est. Grand. Un survival horror? Ah oui, ils en ont parlé pendant la... Ouais, je vois ce que c'est. Bah, faut acheter un PC du coup. Moi, vu que j'ai acheté le mien, ben, je vais pouvoir faire des jeux de Steam maintenant. J'en ai pas encore acheté sur Steam, mais ça devrait venir. Oh, chaventurier, êtes-vous ici pour la quête? S'il vous plaît, ma sœur jumelle est tellement malade, je ne sais pas quoi faire. Ouais, je l'ai vu, ça m'a fait penser... Voilà, chérie, j'ai rétréci les gosses. C'est... J'en ai entendu parler, il avait l'air intéressant. Il est vraiment top, et pour ceux qui ont le Game Pass, il est à 1€. Ah oui, d'accord, ouais. C'est vraiment pas mal. Paysan, n'aie pas peur, tes sauveurs sont arrivés. De l'herbe à chat, s'il vous plaît. Trouvez de l'herbe à chat, ça peut tout guérir, je le sais. Cette plante pousse près des montagnes à l'est d'ici. Faites vite, je ne sais pas combien de temps il lui reste. Ok. Moi, il y a un jeu qui m'intéresse aussi, qui sort à la fin du mois. C'est le Donjon de Nullbuck. J'adorais la série à l'époque. Donc j'espère que ça sera bien. Ce doit être ici, mais où est l'herbe à chat? Oh non, prépare-toi, embuscade! Ah! Je suis mort. Après, pour ma part, je pense qu'il vaut mieux maintenant acheter un PC plutôt que d'acheter une Xbox. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Faut que je retourne là-bas? Ah mais oui, j'avais sauvegardé avant de parler au type. Bon, je vais essayer de pas me faire avoir. Blablabla. Allez, on essaye. Sauvegarder ici, à y être. Ça évitera l'aller-retour encore.
C'est bon. Je suis mieux sorti. Pas possible, les monstres ont écrasé toute l'herbe à chat. Retournons voir le paysan, peut-être qu'on va trouver un autre clan. Bah pour le moment, les quêtes, on leur dit souvent qu'on n'a pas pu la terminer. Restez loin des villes jumelles. C'est votre dernier avertissement. C'était quoi ça? T'as autant Grounded, je le prendrai. Et on le testera en stream du coup. Les portes s'ouvrent en grinçant, révélant une grande maison abandonnée. Quoi? Où sont les paysans? C'était un fantôme? C'est pas possible qu'on ait imaginé tout ça, hein? Si on a le temps, on devrait visiter la ville de l'autre côté. Je suis niveau 9, d'accord. Eh oui, mais le niveau c'est marqué en gros en haut. Recherche du mage. Nous avons découvert quelque chose à propos du chef mage, venez me voir. Maintenant. Petite sauvegarde avant. Ah, si t'aimes les jeux de survie, fonce, moi je serai là. Bah moi, il n'y a que les FPS que j'aime pas trop en général. Un sort ancien a été lancé sur le chef mage. Le sort a bloqué son énergie magique dans des fioles. Je verrai ce que ça vaut. On en reparlera. Je me renseignerai un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a créé une potion qui redonnera son énergie magique au chef mage quand il en boira. Ok. Mais on ne sait pas où il est. C'est Arc en plus Mimi. Ah, Arc que je connais pas par contre. L'énergie magique n'arrêtait pas d'essayer d'aller à un endroit pendant qu'on créait la potion. Je marquerai l'endroit pour vous. D'accord. Est-ce que je peux améliorer mes sorts? Ouais! Et on peut encore les améliorer. Mais là, ça sera plus cher. C'est un survival avec des dinosaures. D'accord. Je ne connais pas du tout. Il n'y a personne ici, mais je peux voir des traces. Il a juste pris le long chemin. Avoir perdu son énergie magique a dû barbouiller son cerveau. Deux ? Alors, droite ou gauche ? Par mes moustaches frisées, ça fait encore le tour. Il a dû faire des tours sans réfléchir. Ah, ses traces mènent vers cette caverne. Ces monstres à l'intérieur pourraient lui faire du mal. Éliminez tout ce qui se trouve à l'intérieur. C'est parti. Je suis où? Ok. Thank you.
bâton de mage. D'accord, pour augmenter la magie. Une armure de chevalier. Et j'ai pas de clé encore. Sort de foudre, je l'aime pas trop. Bah. Ah. Donc ça c'est la sortie. Faut aller de l'autre côté maintenant. C'est fait. Tu remarques un chat de la ville en train de quitter la caverne. Après lui! J'adore comment il court le personnage. Je regarderai Arc plus tard. Chef mage chaton! Il ne me répond pas. Vite, donne-lui la potion! Tu m'as sauvé, merci! Nous sommes ici pour sauver le roi. Vous savez ce qui lui est arrivé? Un chat blanc est apparu dans la capitale et a maudit le roi. J'ai essayé de l'arrêter, mais c'est comme ça que j'ai perdu ma magie. Oui, il saute en fait. Ouais, il survole. Comment est-ce qu'on peut détruire la malédiction? Je vais découvrir comment. Mes mages vous contacteront. Prenez ça en gage de récompense. Ok. Tous les mages ici se ressemblent, hein. C'est vrai. Du coup, est-ce qu'il veut de l'attaque ou de la magie? Moi j'aime bien la magie, hein. C'est marqué les quatre là? On voit rien. Je vois des traits briller, mais je sais pas à quoi ça correspond. Ce serait bien que les quêtes elles soient affichées sur la carte. Les points roses. Ah oui, je les vois, ça y est. Non, les points roses, c'est... C'est les trucs de mage. Niveau de la quête 2, je devrais y arriver celle-là. J'ai besoin de trouver ma mère, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi. Ce paysan doit beaucoup aimer sa mère, nous devrions aider. Là, c'est pareil, je crois que le point bleu, là, on le voit, le I. Enfin, on le voit. Faut vraiment le distinguer, hein. Paysans, nous sommes deux formidables guerriers venus ici pour aider. Ma mère a disparu. Un mage crée des sortes de recherches pour moi. Mais il a besoin d'un métal spécial et dehors, c'est trop dangereux pour moi. Où est ce métal? C'est à cet endroit que j'ai marqué. Nous allons trouver ce métal, chaton grognon.
C'est dans cette caverne. Ça va être difficile de chercher quelque chose avec des monstres partout. Exterminons-les d'abord. Salut Andrea! Oui, oui, ça va et toi, comment va? Ah! Tu as trouvé un casque bizarre en métal enterré dans la terre. C'est ça ce casque effrayant? Psst! Hé, viens! Hé, toi, viens ici! J'arrive. Je vois que vous aidez ce chat fou. Tu veux dire le paysan grognon? Avant ça, il était en train de dire que quelque chose à propos de voix dans sa tête. Et soudainement, il a commencé à grogner sans aucun avertissement. Ça va très bien. Bah écoute, tant mieux. Hein. Pas trop chaud. Moi, je souffre. Hein. Ce grognement n'est pas normal, hein. Je voulais juste vous avertir. Au revoir. Entre tous les appareils électroniques qui allumaient chez moi, c'est une fournaise, mon appart. Tu donnes le casque bizarre au chat de la ville. Vous l'avez trouvé? Oui, ça va m'aider, moi. Non, pas moi. Je veux dire, m'aider à trouver ma mère. Ce casque est puissant. Un sort de recherche n'a pas besoin d'autant de puissance, tu sais. Occupe-toi de tes affaires, grrr. Voici votre récompense. Revenez plus tard, j'aurai besoin de plus d'aide. Mais comment tu le sais? Si, là, il fait 38-39. Ah oui, encore! Eh ben, moi encore, chez moi, ça a baissé. Là, on est à 27 degrés. Mais dans mon appart... On est encore dans les 30, hein. Malgré mon petit climatiseur. On va l'équiper, hein. Ah ah! Le rituel de l'herbe à chat. J'ai besoin de votre aide pour un rituel afin de retrouver ma mère. Encore? Moi, ventilé au niveau 3. Le chaton grognon est de retour. J'ai pas de quoi avoir une vraie clim, donc chez moi j'ai acheté un climatiseur mobile, tu sais, avec le tuyau qu'il faut mettre par la fenêtre. Franchement, c'est déjà assez mieux qu'un ventilateur. C'est pas aussi bien qu'une grosse clim avec le module à l'extérieur, mais c'est déjà bien. Le mage a dit que ma mère était piégée dans une malédiction. Nous aurons besoin d'organiser un rituel de l'herbe à chat pour le briser. Rawr. Comment est-ce que ta mère s'est retrouvée dans ce pétrin? Voilà un peu d'herbe à chat. Éparpillez-le sur ces buissons. Je vais vous rejoindre plus tard. Faudrait que j'arrête de grogner, je pense. Tu éparpilles un peu d'herbe à chat sur le buisson. Et maintenant, là aussi. Et puis là. Excellent! Maintenant, marchez au centre du triangle. Ah, il grogne mieux que moi, hein. Parlez de Josha, on doit sortir d'ici.
À quoi pensait ce paysan ? Eh, regarde, le cercle du rituel est brisé. Et il a complètement disparu. C'était dangereux. J'aurais tes moustaches, paysan. Je ne savais pas ce qui allait se passer, honnêtement. Je mettrai une autre notice plus tard. Voilà votre récompense. Le cercle. Me revoilà. Tu nous as manqué. Attendez, faut que je bois. Même pas vrai. Je disais ça pour te faire plaisir, voyons. Le mage a découvert quelque chose de nouveau à propos de ma mère. Aidez-moi, s'il vous plaît. Tiens, en fait, Andrea, pendant que j'y pense, par rapport à Fall Guys, les problèmes de connexion qu'il y avait, ça venait pas de moi, ça venait vraiment du serveur du jeu. Donc, ils ont parlé sur Internet. J'ai un pote qui jouait au jeu. Lui, il y joue sur PC. Il avait les mêmes problèmes. Et je crois que les devs, ils sont en train de corriger le truc. Donc on y rejouera dans la semaine, on verra ce que ça donne. Si c'est mieux ou pas. Elle s'est absentée. Ah mince! J'ai pas lu. Bon ben j'ai parlé dans le vide, vous lui répéterez tout ce que j'ai dit. Hein. Le mage a découvert la prochaine étape vers la liberté. La liberté de ma mère, bien sûr. Liberté ! Tu es très suspicieux, tu sais. Rejoignez-moi à l'extérieur, je vous dirai quoi faire. C'est là ? Restez debout là-bas ! Là ? Bien, maintenant courez dans le sens des aiguilles d'une montre 3 fois. D'accord. Ah, par là. Tac, tac, tac. Ça fait 1, ça fait 2, et 3. Maintenant, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre 2 fois. Quoi ? Tu te poiles de moi ? Voilà, content ? Très, regardez, ça marche ! Il va se transformer en monstre ou quoi ? Nom d'un chat, c'est ce cercle encore. Oh, il y en a beaucoup maintenant. Miaou, tiens-toi prêt. Are you ready ? N'importe quoi maintenant. Mais il se passe rien. N'importe quand avec de l'herbe à chat sur le bout. C'est tout ? Nom de Mistigri, vraiment ? Pour Fall Guys, oui, l'info était sur JV.com, que les serveurs sont en PLS, ouais. Il y a trop de gens qui jouent au jeu en même temps. Tu as joué, toi ? À celui-là ? Franchement, il est pas mal. Tu vois, aucun monstre cette fois. Croque bien, tu vas bien pour l'instant en paysan. Aïe, le micro. Il y a encore du travail à faire. Vérifiez le panneau plus tard. Voilà votre récompense. Une hache de Rangers. Liberté délivrée. Le mage m'a renvoyé un message. Faites vite, ma mère attend. C'est la dernière fois, je te le promets.
Vous devez vider l'endroit que j'ai marqué. Au moins, tu es clair cette fois. Ah, c'est là-bas. La caverne des chauves-souris. Regarde, ça doit être cet endroit. Prêt, partner ? J'ai l'impression que j'ai une jauge d'armure et après j'ai une jauge de vie. Oh, passage secret. Mais j'ai toujours pas de clé. Le casque de chevalier. Bâton de poisson. Qu'est-ce qui se passe? On doit sortir maintenant. Il y a de ces jeux de mots. Il y a une jauge de stamina aussi. Ouais. Ils appellent ça le mana. C'est ça, le mana. Donc tu as... Il y a trois jauges. Il y a une jauge de bouclier, j'ai l'impression. Une jauge de vie. Et une jauge de magie. Qui se remplit quand tu frappes. C'est ça. Un cercle brisé. Où va cette piste? Là, tu vois, si je fais la magie pour récupérer de la vie... Voilà, là j'ai récupéré de la vie, mais j'ai perdu le mana. Et quand j'attaque, le mana se remplit. Ce cercle encore. Et l'autre cercle aussi. Par contre, la jauge avec le bouclier, je sais pas à quoi elle sert, la jauge grise, là. Attends une griffante minute. C'est le casque de la dernière fois. Il s'est éloigné en marchant. Il se passe quelque chose. Je suis libre! Attends, c'est... Il a disparu. On doit trouver ce paysan grognard maintenant. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Explique-toi, paysan. Nous avons brisé le sort, mais quelque chose de puissant s'est échappé. Hein? Est-ce que je vous connais? Vous avez brisé un sort? Oui, tu nous as dit de le faire. Oh miaou, j'ai commencé à avoir des trous de mémoire. Et je n'arrête pas d'entendre des voix qui grognent dans ma tête. Tu veux dire qu'on ne parlait pas tout ce temps? Oh, sainte moustache, qu'ai-je fait? S'il me parle encore, je mettrai une notice. Il était possédé, en fait. Ouais, il n'y a pas trop d'explications sur le... sur les trucs. En tout cas, je vais aussi l'ajouter à mon stock de jeux. Celui-là est en cartouche. Alors là, je n'en ai aucune idée. Quatre quests... boîte. Quatre quests et quatre quests 2 sortiront en version physique dans un bundle le 31 juillet.
mais je sais pas si c'est sur Switch ou si c'est ailleurs. Parce qu'il est sur... Ah si, sur Nintendo Switch apparemment. Je tapais 4 quest boîtes et puis je suis tombé sur une image d'un chat dans un carton. Apparemment il est en boîte mais je le trouve pas dans les dans le store nulle part. Sur Amazon peut-être. Amazon. Ouais, il y a le 1 et 2 sur Amazon à 28 euros. Le chat shooter. Niveau 15. Ben on reviendra plus tard. Là, c'est trop pour moi encore. Ben, y a pas de quoi. Maintenant que j'ai deux ordinateurs, je peux faire les deux. Avant, je pouvais pas, mais maintenant, je peux. Je suis super excité de pouvoir à nouveau aider Kit. Allons-y. Vous êtes revenus, les chats. Juste au bon moment, en plus. Nous sommes prêts à vous aider. J'ai besoin d'un colis essentiel avant de pouvoir continuer avec mon armure. Vous voyez ? J'ai un magasin dans la capitale. C'est différent cette fois-ci, je vous le jure, celui-ci est important. Ding dong, paysan, on est ici pour le paquet de Kit. Pardonnez-moi, des bandits m'ont cambriolé et volé le paquet de Kit. Tu te fiches de mon museau. Il y a un endroit où les bandits auraient pu aller, la caverne des bandits. Oui, donc Andrea, tout à l'heure on parlait de Fall Guys qui avait des problèmes de serveur. C'est pour ça que ça se déconnectait sans arrêt la dernière fois. Ça ne venait pas de moi. Et ils sont en train de corriger le problème. Écoute, on ne peut pas laisser ces bandits vivre après ce qu'ils ont fait. Rao, extermine-les tous. Je pense que je referai une partie mardi ou jeudi, on verra. Parce que je m'étais bien régalé sur ce jeu. Voilà, je peux toujours pas l'ouvrir, évidemment. Le truc de vie, ça consomme pas mal de magie. Hein. Ça leur apprendra à chercher à s'embrouiller avec la patte de Kit. Mais on dirait que le colis de Kit n'est plus là. Juste beaucoup d'or et de trésors inutiles. Bon, rentrons avec les mauvaises nouvelles. Jamais arrivé ce colis.
J'ai combien de pièces? C'est marqué où? C'est marqué nulle part. Ah si, 780. Je suis désolé, Kit, mais le paquet a été volé. Non! C'était le dernier épisode, Les Morts Bondissants. Ma série préférée de tous les temps. Bon, ça, je parie que c'est The Walking Dead. Maintenant, je ne saurai jamais si Glenn meurt. Glenn. Eh oui, bah il est mort. Je suis tellement désolé, nous sommes pas dignes. C'est bon, je vais vivre. Bonne nouvelle, l'armure est presque finie. Voilà votre récompense, mes petites boules de poils. Ouf, niveau 20, c'est trop pour moi. En quête de nouveaux équipements, ça te coûtera 50 or. Teste ta chance. On va tester, voir ce que ça donne. Ok, d'accord, ça augmente des armes. Comment tu as spoilé ? Ça fait 20 ans qu'il est mort. Il y a 4 ou 5 saisons, je crois. De moment, il y a prescription, hein. La suspicion de l'Est. Il y a quelqu'un qui se faufile par ici de façon suspecte. Aidez-moi à le trouver. Walking Dead, c'est 10 saisons. Ouais. Et le méchant avec la batte, là, comment il s'appelle déjà? Il arrive à la saison 6, je crois, non? Bonne journée! Je ce que y est demande. Je suis chef moustaches. Negan, voilà. Comme vous pouvez le voir, je suis occupé avec les lancements de mes nouveaux plats, les chasseroles de poissons. Miaou, c'est sûr qu'il y a foule ici. Of course. Il parle anglais avec un accent espagnol, c'est ça? Mais y est-vous une personne qui s'est faufilée? Il essayait de me voler ma recette. N'aimons pas les chabrioleurs. N'ayez pas peur, nous le chasserons pour vous. J'ai arrêté, moi, The Walking Dead. Ça m'a saoulé, ça m'a fatigué. J'ai vécu assez longtemps près des eaux pour savoir qu'il ne faut pas faire confiance aux souris. Ouais, je sais, tu me l'as déjà dit, ça. C'est quoi, ça? Ah oui. Sauvegarder, c'est pas une mauvaise idée. Cachons-nous et regardons d'ici. Ah ah! Ce chaton se tient debout là! Allons l'interroger! Hé, hey, toi, paysan suspicieux, qu'est-ce que tu fais là? Il a fui en bondissant, mais il a laissé une piste derrière lui. Miaou, il s'est enfui dans ce donjon! Fais en sorte qu'aucun monstre ne bloque notre chemin, détruis-les tous!
Ce que j'aime bien, c'est qu'au lieu d'avoir des pleins d'armure, on a la même, mais à chaque fois, elle s'améliore. C'est pas mal. Bon, y en a quand même plusieurs, mais... d'un chat, il a dû se faufiler à l'extérieur. Normalement, c'est nom d'un chien qu'on dit. Oh, une autre piste, allons-y. Allons-y, allons-y. Je peux voir qu'il est allé autour du lac. Zoom arrière si tu veux le voir. On peut le suivre ou bloquer son chemin. On va aller par là. Je le vois devant nous. Allez! Arrête-toi! Si tu bouges une seule patte, nous attaquerons. Miaou, ne me faites pas de mal, Sire Dracosan, j'expliquerai. Expliquez. Ouais, je suis en train de mater Dr. Wu, donc je vais vous sortir beaucoup de répliques de Dr. Wu. Désolé. Je suis chef pas de velu de Pao West. Moustache est ma sœur. Moustachesse est ma sœur. Nous avons une rivalité amicale culinaire, mais quelque chose ne va pas bien. Qu'est-ce que vous voulez dire, Miaou? Récemment, elle a commencé à agir comme si elle était née, comme si elle ne me connaissait pas. Vous devez m'aider, c'est ma sœur. T'as perdu ton accent italien. Si tu es tellement inquiet pour elle, d'accord, nous t'aiderons. Merci, venez à Pao West. Quand vous pouvez. Voilà, prenez ça, y doit monter ma gratitude. Et comme j'ai jamais regardé, je n'aurai jamais les références. Tu as raté une très grande série. Il ne faudrait pas mentionner ça à Moustaches. On dirait que notre prochain arrêt est à Pao Est. Et c'est où Pao Est? Pao Est, ça doit être tout là-haut, non? On va aller voir. Il y a des quêtes de partout. Sauvegarder. Ouais, bonne idée. Moi, je regardais que des animés. Bah, tu regardais Walking Dead aussi. Donc, tu regardais pas que des animés, menteuse. Ah non, pardon. Vous êtes tous en vert, ça me perturbe. Andrea regarde que des animés. Tu t'entendrais bien avec Mag alors. Parce qu'elle aime beaucoup les animés elle aussi. Oui, peut-être pas le même âge. Ça, j'en sais rien. Soldat le jour, maître nageur la nuit. C'est moi, Miaou.
Savais-tu que nous, les chats et eux, les chiens de l'Empire Lupus, connaissons une trêve fragile en ce moment? Mais qui sait quand la guerre recommencera? Miaou, je déteste les chiens. Donc en fait, si je fais des références à Dr. Wu, tu comprendras pas. Si je fais des références à Disney, tu comprendras pas. C'est triste, hein? Et si tu fais n'importe quelle référence à n'importe quel animé, je ne comprendrai pas. L'enquête de l'Ouest. Non. Ah mais c'est là, pas Ouest. Je déteste l'eau, ça mouille ma fourrure. On doit trouver des informations de la nouvelle recette. Rejoignez-moi, Pat Velu. Je ne fais pas vraiment confiance à Pat Velu, mais voyons ce qu'il a à dire. Coucou! Ma sœur et moi sommes des êtres rivaux culinaires, mais nous sommes tous très proches. Elle a commencé à m'ignorer quand elle a pensé à cette recette, ça doit être ça. Tu es sûr que tu sais pas juste de trouver la recette? Non, je veux juste retrouver ma sœur. Et j'ai découvert les routes que prend son fournisseur. Moi, je comprendrai Mika, mais pas Mag. Eh ouais. Je suppose qu'on va découvrir ce que transporte le fournisseur. Ce serait vraiment souhaite. Yévé voulait marquer. Lui, son accent, c'est un peu quand il veut, en fait. Hein. Vous pouvez choisir lesquels vérifier. Pareil, je suis plus série. Ah, on est 3 contre 2, désolé. Il y a personne ici. Je vois un bandit avec un coffre de provisions. À mort! Es-tu le fournisseur de Pau Est? Encore une fois de plus, la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux! Là, j'ai la référence. Est-ce que tu es le fournisseur de Pau Est? Attends, ne fuis pas si tu... Non, non, chat. Il a fui cette boule de poil. Après lui! Mais il est où? Là-haut. Petite sauvegarde peut-être. Non, on peut? Ouais. Où est le coffre? Le bandit pointe le doigt vers l'eau, puis il le pointe vers toi. Miaou! Il va se battre avec nous? Viens! Viens me chercher, espèce de bandit poilu! Ah ouais, mais même si la chèvre, elle s'y met... Il doit avoir jeté le coffre dans l'eau. Miaou, repartons. Un monument. Les vieux maîtres et les dragons se sont battus pendant des années. Cet événement fut connu sous le nom de Guerre des Dragons. Je me demande s'il y a plus de monuments. Forcément.
Les plaines interdites. C'est chiant ces bestioles là, il y en a trop. Ah mais j'ai plus de vie. Vous revenez à la patte vide. Avez-vous trouvé quoi que ce soit? Les trois jauges du perso, c'est point de vie, puissance physique et puissance magique. Ah ok, d'accord. Vous revenez à la patte vide. Avez-vous trouvé quoi que ce soit? Tu as déjà fait 4 quests, Muriel? Cette boule de poil de fournisseur a jeté le coffre de provisions dans l'eau. Il a disparu. Oh miaou! Alors, nous n'avons pas de choix. Vous devez demander à ma sœur. Elle va peut-être disposer à vous parler, puisque vous l'avez aidée. Andrea est tellement accro au DA que je suis sûr qu'elle a un compte ADN. Les DA? C'est quoi les DA? Ah, dessin animé peut-être? On essaiera, miaou. Peut-être qu'on saura ce qui ne va pas chez elle. Thank you. Prenez cette reward, s'il vous plaît. Ah, c'est... faudrait que je le fasse avec un accent anglais, alors? Je sais pas. Non, j'ai cherché sur le net. Ah, d'accord. C'est toi l'andouille, voyons. Continue d'explorer un petit peu. Un dragon bleu. Ouf, il a l'air méchant. Un dragon de glace. Plein pow. Là, il n'y a pas de quête. Allez au panneau de quête, si vous voulez me parler. Maintenant, partez. Oh, il a un de ses corps, ce chat. Ici, pour parler au boss, il est là-bas, l'air cool et tout. Non. Quand on va aller voir là-haut, j'ai vu qu'il y avait un sort à prendre. Sort de glace, je parie. Sinon, sur ADN, ce n'est pas que des DA. Raté. Patte de glace, glace et ralentit tes ennemis. Ouais, on apprend, c'est parti. Sauf qu'aux fans d'anime, tu dis pas que c'est des dessins animés. Ah oui, c'est sûr. Même si, en théorie, c'est des dessins qui sont animés, hein. Ouais, on va améliorer les soins.
Un monument, regarde, il y a des inscriptions dessus. Beaucoup de cicatrices qui restent sur notre terre existent à cause de la guerre des dragons. Nous ne connaissons pas grand-chose à d'autres, à part que les dragons sang ont joué un rôle essentiel pour la finir. Bah, c'est comme les mangas, les comics et les bandes dessinées. C'est des dessins, c'est des bandes dessinées quoi qu'il en soit. Je me demande s'il y a plus de monuments. Mais évidemment qu'il y en a plus. Niveau 25. Bon. Je me suis peut-être un peu trop éloigné là. Je suis où? Ok. On va redescendre. Tu vas te mettre du monde à dos. Ouais, je vais voir le nombre de followers diminuer en chute libre. Non, partez pas. Il a raison. Mais évidemment que j'ai raison, j'ai toujours raison. Mocha. Prendra quoi? Un déca? Un mocha décaféiné, s'il vous plaît. C'était quoi la quête, là? Je l'ai lu, celle-là. Le premier jour de Kitmas. Niveau 15, on va voir s'il n'y en a pas d'autres. Mon Mac veut pas écrire Mika. Ah, mais tu as un Mac. C'est pour ça que tu ne peux pas jouer à Grund. Ouais, c'est par là. Je fais toujours la bourde. Et ma fille, fan d'animé, me reprend à chaque fois. Bon, il n'y a plus de quêtes là? Enfin, plus de quêtes à mon niveau ou pas? Après, faut acheter un PC de gamer. Hein. Ça coûte un peu cher, mais. C'est un peu beaucoup cher. Les esprits. Ça l'a l'air à mon niveau. Nous avons trouvé une façon de lever la malédiction du roi. Mon père, je lui parle tout le temps d'animé, mais ça va, il le vit bien. Alors les chatons magiciens, vous avez trouvé une solution. Ouais, la malédiction est alimentée par des orbes d'esprit. Alors, si on détruit les orbes, la malédiction perdra son pouvoir. On a un plan, laissez-nous faire. Tu nous le payes, notre PC Gamer? Ben, je suis déjà en train de payer le mien, donc paye-le toi-même. On a un plan, laisse-nous faire. Oh, ça va, 600€, c'est pas cher.
C'est là-dedans? Non, c'est là. On devrait être près du premier orbe. Est-ce que l'orbe va apparaître? Pourquoi est-ce qu'il est sur un monstre? Ouais, il y a PC Gamer et PC Gamer. C'est ça. Et encore, moi j'ai pris un premier prix parce que je fais pas du gaming avec. Je fais pour le moment que du streaming. Après, peut-être que petit à petit, disons, je me suis créé une base. Et après, on verra si je remplace des pièces pour vraiment être au mieux. Puis l'avantage, c'est que le PC, tu remplaces les pièces petit à petit et puis tu évolues avec le temps. Que les consoles, tu es obligé d'attendre 5-6 ans qui passent à la génération suivante. Pourquoi est-ce qu'il est sur un monstre? Ouf, il a pas l'air gentil, lui. L'orbe se brise et disparaît. Un seul orbe restant. Après, ouais, moi, mes parents, si je leur parle animé, comics et cosplay, ils savent pas ce que c'est. Hein. Le prochain orbe est dans cette caverne. Écoute, pour briser l'orbe, on aura besoin de tuer les monstres à l'intérieur. Pareil, quand je leur ai parlé de Twitch, ils comprennent pas l'intérêt de regarder des gens jouer avec des jeux vidéo. Et c'est vrai qu'on peut se demander quel est l'intérêt. Et je leur ai dit, vous regardez bien du foot à la télévision, c'est pareil. Sauf que quand tu regardes du foot, le footballeur il te répond pas. Ma mère regarde des animés. Et est-ce qu'elle les regarde volontairement, de gré, ou c'est toi qui la force à les regarder? Ah, je vais faire ça, attends. Je vais prendre la glace. Je vais le mettre là. Et je vais les cramer comme ça. Voilà. Ah oui, ça les ralentit bien quand même. C'est pas mal le sort de glace finalement. Mieux que la foudre. Tu reçois un arbre qui se brise et disparaît. Ça marche. Elle a commencé avant que je naisse, d'accord. Ah, alors c'est peut-être elle qui t'a influencé. Allons voir et voyons voir si quelque chose a changé. «
Chef mage, le sort n'a pas été brisé. Je pense que le dernier robot d'esprit est contenu à l'intérieur du roi. Quoi? On ne peut pas seulement détruire le roi. J'aurai besoin d'extraire l'orbe et de le bannir. Quand je serai prêt, nous sauverons le roi ensemble. D'accord. Le remède de l'herbe à chat encore. S'il vous batte, ma sœur est tellement malade, est-ce que quelqu'un va nous aider? C'est la même quête. Attends un peu, tout ceci me semble familier. Allons voir. Oh, chaventurier, êtes-vous ici pour la quête? S'il vous batte, ma sœur jumelle est tellement malade, je ne sais pas quoi faire. Laisse-moi deviner, tu as besoin d'herbe à chat, s'il vous plaît. Trouvez de l'herbe à chat, ça peut tout guérir, je le sais. Cette plante pousse près des montagnes à l'est d'ici. Vous devez faire vite, je ne sais pas combien de temps il lui reste. Il y a quelque chose qui n'est pas bon ici. On dirait que quelque chose a déjà été fait. Et si je me trompe pas, nous allons encore tomber dans une embuscade. Alors, si on se cachait par ici, on pourrait peut-être surprendre les monstres à la place. Ah oui, je suis bien caché quand même. Dans quelques secondes... Il en reste? Non. Ah ah, je suis un génie! Arr. Et regarde, l'herbe à chat ne s'est pas fait écraser cette fois. Ouais, youpi! Au poil, retournons en ville. Je vous ai dit de rester loin! Où sont les paysans? Est-ce que tu travailles pour Dracot? Prenez ça et ne revenez jamais. Eddie Rémy sans famille. Candy, Lucille, amour et rock'n'roll. Vas-y Julie, c'est les plus anciens que j'ai souvenir. Princesse Sarah. Rémy sans famille, je connais. Je suis sûr maintenant, cette ville est un miroir de celle de l'autre côté. Il y a une malédiction très puissante. La ville de l'autre côté devrait avoir la prochaine pièce de puzzle. Ben moi, je regardais... Goldorak. Il y avait aussi Capitaine Flamme. Il y avait... dans le même style, là... Ulysse 31. Ulysse 31, c'était un manga? C'était un animé ou... je sais plus ce que c'était. Il me semble que c'était de l'animé. En fait, tout ce qui passait au club Dorothée, en général, c'était des dessins japonais. Hein. Maintenant, ma sœur ne veut pas se réveiller. Aidez-nous s'il vous plaît. On apprendra peut-être plus sur cette malédiction. Allons-y! Oh, chaventurier, vous êtes revenu. Ouais, Albator. L'herbe à chat que vous nous avez donnée a beaucoup aidé ma sœur. Merci beaucoup. Ulysse 31, créé spécialement pour la France. C'est possible. Les cités d'or... C'est un manga, les cités d'or? Je me souviens pas. La fièvre de ma sœur semble s'être affaiblie, mais elle ne se réveille pas.
Elle n'arrête pas de bouger dans son sommeil. Elle parle d'un chevalier. S'il vous plaît, vous devez nous aider. Les Cités d'Or, l'animé préféré de ma mère. Ah d'accord. J'aimais bien aussi. On dirait que c'est le travail d'un spectre. Parfois, il entre dans les rêves et empêche les familles de se réveiller. Bonne nouvelle, les spectres propagent une forte odeur que les esprits comme moi peuvent pister. Suivons la piste. Et on va sauvegarder avant. Je le regarde encore, d'accord. Caverne de la Fourrée. D'accord, on dirait que les spectres sont dans cette caverne. Pour vraiment terrasser un spectre, tu dois te battre ainsi que tous ses serviteurs, compris? Non, pour moi c'est un dessin animé. Attends. Alors. Les Cités d'Or. Ouais, parce qu'après il y avait des dessins animés français qui étaient faits comme des mangas, des animés à l'époque. Non mais moi je veux le dessin animé, pas les vraies Cités d'Or, attends. Les mystérieuses Cités d'Or. Les mystérieuses... Rien que d'y parler, j'ai le générique en tête. C'est une série télévisée franco-nippone luxembourgeoise. C'est compliqué donc. Première diffusion en France ou au Japon? Bon, ça va être les deux, hein. Ah ouais, c'est plus français quand même. Hein. C'est donc un dessin animé. Mais oui, à cette époque, voilà, il y avait beaucoup de japonisation du dessin animé français. Et du coup, voilà, tout se mélangeait un petit peu à l'époque. Pour vraiment terrasser un spectre, tu dois le battre ainsi que tous ses serviteurs. Compris, c'est parti. À l'époque, moi, je regardais aussi... Aïe, il m'a congelé. Au secours, au secours, au secours, au secours, au secours. Comment ça s'appelait les vrais mangas, là. Des vrais animés. Il y avait Nicky Larson. Il y avait... Sailor Moon. Il y avait Cat Size. Les Chevaliers du Zodiac. Il y en avait trop en fait. J'ai l'impression qu'il y avait plus d'animés à l'époque que maintenant. Les vrais 10 City Hunter et Saint Seiya. Ouais, ouais. Olivier Tom, je m'en souviens aussi.
Et les vrais, c'est ceux qui ont découvert le manga après leur jeunesse. Ouf, il est méchant lui. Parce que quand t'as 10 ans, tu regardes Nicky Larson, tu regardes pas City Hunter. Vu que dans le club Dorothée, c'était Nicky Larson. Bon boulot, je suppose qu'on peut dire au revoir à ce spectre. Bon, en retournant voir le paysan, la sœur du paysan devrait se réveiller maintenant. Moi qui connais que Hunter x Hunter. Y'a pas que Hunter x Hunter. C'est vrai qu'on te parle de manga, enfin d'anime des années 90 là. Ça remonte peut-être un peu. Comment il est cassé, j'y peux rien si je suis pas de cette génération et que j'ai tout découvert après. Mais non, ce n'est pas ta faute, voyons. Partez loin, non, c'est... Rien que vous faites ne changera quoi que ce soit. Laissez-la, tranquille. Il y a Hunter x Hunter 99 et 2011. Ah bon? Il me casse. Ah oui, mais ça, tu as l'habitude. La maison est vide encore une fois, abandonnée depuis plusieurs années. Une tête de pioche a dû maudire toute cette ville. Miaou. On découvrira peut-être quelque chose dans la ville d'à côté. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a autant de choix à l'époque que maintenant. Hein. Parce que là, on vient de citer tout un tas de trucs. Aujourd'hui, niveau manga, il y en a quand même presque autant. Hein. Non, c'est là que je voulais aller. Le cauchemar chevaleresque encore. Contrairement à la dernière fois, nous savons ce que c'est un spectre qui a fait tout ça. Dépêchons-nous. Je vais sauvegarder quand même. D'ailleurs, il est 10 heures passées là. Il va falloir s'arrêter bientôt. Vous devez arrêter de vous mêler de tout ça. C'est la dernière chose qu'il reste d'elle. Meurs. Ouf. Méchant le chat. Quelque chose me dit que ce n'est pas la dernière fois qu'on le reverra. Ouais, franchement, j'ai pas vu le temps passer. Comme quoi, quand le jeu est sympa et qu'il y a du monde avec qui parler, ça passe vite la soirée. Hein.
Ma sœur, je suis tellement désolé. Je n'ai pu te sauver. Je suis tellement inutile. Si seulement j'avais eu le courage d'utiliser ce livre. C'était juste une mémoire magique tout ce temps. Alors le paysan n'a pas pu sauver sa sœur. Allez, allons-y. On en apprendra plus dans la ville d'à côté. Il y a plus de choix quand même grâce au net. J'ai pu montrer des animés à ma fille que je voyais pas sur la télé française. Des Miyazaki, par exemple, il y a 10 ans, t'en avais pas. C'est vrai. Moi, je sais qu'à l'époque, je voulais en voir, mais ils étaient qu'en cassette et ma mère voulait pas forcément tout dépenser en cassette. Bon. On va sauvegarder et on va en rester là pour ce soir. On se retrouve mardi à 20h. Et on fera Matai Matportia, un petit peu. On va continuer. Voilà. Bonne soirée, bonne nuit. À bientôt. Ciao.